Tout a commencé en 2011. On était deux potes habitant la ville de Moulins et on a trouvé que cette ville manquait parfois d'animation. Avec un vieil ordi et un appareil photo dégoté dans une brocante, l'assaut s'est né. Bouge-toi Moulins, avec justement comme ambition de la faire bouger, cette ville. Après quelques soirées étudiantes, le premier grand événement, c'est le Flash Mob en 2012, un truc très à la mode à cette époque. Des centaines de personnes se sont réunies pour danser tous ensemble sur une même chorégraphie. Because I'm happy. Je suis pas très bon chanteur, je vais laisser Pharrell le faire pour moi. Il a fait danser les villes du monde entier avec Happy en 2013. Et vous savez quoi? Moulins a eu le droit à sa version, et nous sommes fiers d'avoir contribué à sa réalisation. Après Pharrell, c'est Anna Kendrick qui nous a permis pour la fête de la musique de réaliser le Cup Song. Des centaines de personnes équipées d'Echo Cup battaient en rythme la célèbre mélodie. Ça vous rappelle quelque chose? Il y a aussi eu un cliché presque parfait. Ça vous fait sûrement penser à quelque chose. Oui, c'est ça. Un dîner presque parfait. Et ben c'est le même concept, sauf que au lieu de faire le meilleur plat, et ben il faut faire la meilleure photo, tout simplement. 2015 a été l'année la plus colorée. Et pour cause, le Holy Color Festival a eu lieu. Au programme, plein d'activités avec un point commun, la poudre colorée. L'année suivante, après la poudre colorée, place à la mousse. D'abord avec la course de caisse à savon, puis ensuite la soirée mousse en bordalier. Depuis 5 ans, on organise Intercampus. C'est comme Interville à l'époque, mais sans la vachette, et réservé aux étudiants de l'agglomération moulinoise. En octobre, on fête Halloween. Ça ? À la piscine. Les enfants ont le droit à un Club Med version citrouille. On peut même changer la couleur de l'eau. Une petite fin ? Bouge-toi Moulins organise tous les ans la vente de cookies pour récolter des fonds directement reversés au Téléthon. Ah, et on a aussi fait des actions pour les Restos du Cœur et le 4L Trophy. Avez-vous déjà vu des gens qui font de l'acrobranche sur la place d'Allier ? Pendant les fêtes de fin d'année, l'acrobranche est un événement incontournable qui attire beaucoup d'enfants et mobilise tous les bénévoles. Pour pimenter les fêtes en 2015, on a même donné rendez-vous au Père Noël pour ouvrir un paquet cadeau géant qu'il avait déposé place d'Allier avant sa grande tournée. Au printemps, c'est le carnaval. Avec des confettis, c'est cool. Mais avec des chars, c'est encore mieux, vous trouvez pas? On est heureux d'avoir pu faire revenir les chars à Moulins, on les avait pas vus depuis des années. Grâce à tout ça, Bouge-toi Moulins se définit aujourd'hui comme un incubateur. C'est un tremplin qui donne l'opportunité de construire des projets locaux, tels que les Conscrits et le Fab Lab de Moulins par exemple, ou encore Vulca, un programme d'échange européen. Les pays ont des frontières que notre imagination n'aura jamais. Rappelez-vous, où que vous soyez, vous aurez toujours le pouvoir d'imaginer, oser et créer. Mais faites-le ensemble, car seuls, nous ne sommes pas capables de faire de grandes choses, mais ensemble, nous ferons de petites choses de façon grandiose. Et vous, vous avez un projet ?